Ça a l'air d'être bon. Je crois qu'en fait l'ordi lag tellement pas quand je lance frappe parce que je peux même pas voir en fait s'il allume ou pas. Alors on en était où? On en était qu'il y avait des ingénieurs qui étaient venus nous dire bonjour. Avec cette porte qui me troll. Voilà, là tu réallumes petit feu. Bah écoutez, il n'y a plus personne, on dirait bien donc je vais peut-être essayer de dormir. Le briquet on s'en fout. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si j'essaye de. Écoutez, moi je sais pas vous, mais moi je vois vraiment plus personne. Non, ça doit être bon. Ça doit être bon, on va appuyer sur Y. Voilà. Eh ben j'avais raison, c'était très bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va finir notre bateau peut-être. Wow. J'ai pas comme ça les mouettes. Oh, des plumes partout, des plumes partout. Oh, le jackpot. Oh, je t'aime. Merci. Je peux lancer des cailloux? Ça ferait qu'il y en ait une autre qui se pose. Je suis deg. Regardez, elle rentre dans la montagne. Mais il y a tellement de mouettes par ici. Ah non, là c'est la chasse à la mouette les amis. Ah, elle m'a rien donné. Elle me donne rien. S'il y a des plumes. Bah écoutez les amis, on va enfin pouvoir se faire des arcs et des flèches, ce qui est plutôt cool. Bon en tout cas des mouettes ça va, on en a plutôt pas mal. Ah oui, je voulais regarder, pendant la nuit notre piège il a marché. Je sais pas si vous avez vu. Mais il avait marché parce qu'il y avait un indigène qui était rentré dedans et qui commençait à courir partout avec sa corde. Mais en fin de compte, bah, il a bugué. Enfin, je sais pas parce que l'indigène a réussi à se barrer. Donc voilà, je suis assez deg. Je suis assez deg, sachant qu'on aurait pu en avoir un indigène du coup. Pour après le décapiter, faire plein de trucs avec. Donc du coup, je vais peut-être essayer de faire d'autres pièges. Parce que là, je suis assez. Attends, dungeon traps. C'est quoi ça? Attendez, il y a un indigène qui passe là-dessus. Écoutez, c'est chelou. Happy Birthday Trap. Ah oui, celle-là, je la connais. Celle-là, je la connais, c'est... Comment ça marche déjà? C'est quand quelqu'un passe sur ce truc, ouais. Celle-là, je la connais. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'indigènes qui traînaient par là-bas. Alors je vous propose qu'on va aller leur tendre un petit cadeau. Étant donné qu'il y a beaucoup d'indigènes qui traînent par là-bas, peut-être mettre un piège de ce côté-là comme ça. Bah limite, non, je sais pas. Non, je préfère quand même le garder près de notre maison, c'est plus sûr. Par contre, je sais pas comment il faut le placer. Logiquement, faut le placer comme ça. Logiquement. C'est un peu décalé. Ah, comme ça. Voilà, logiquement, faut faire comme ça. Bah écoute, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fait manger. C'est bon, on peut passer dedans. Il est pas encore activé de toute façon. On va vite fait manger et peut-être du coup. Peut-être du coup se crafter un arc. Enfin un arc. Alors on va mettre de la viande, on va mettre du lapin. Très belle journée sinon au passage. Hop. C'est calme, disons que c'est vraiment calme là pour cet épisode 4. Ah, c'est on peut manger. Ah, c'est E. Non, c'est E. Voilà. C'est bon, on a retrouvé notre. Tout ce qu'il nous fallait. On va aller vite fait bah, se faire des arbres comme d'habitude. Hein. Même chanson. Mais j'aimerais aller boire. Eh, je me suis posé une question. J'ai re-regardé mon épisode 2 ou 3, ou je sais plus lequel, là où j'avais ma voix buggée.
Regarde, en fait, ça me fait perdre un poil de santé, mais ça va, c'est pas des masses, donc ça passe. C'est pas des masses, donc ça passe, c'est mieux ce qu'on dit. Donc c'est parti, on va aller couper du bois. Je suis plus trop motivé là, je viens juste de me réveiller là, IRL, donc. Allez, bouge tes fesses, Roy. On va couper du. On va alerte. Ouh, raton laveur, raton laveur, raton laveur, bouffe, bouffe, bouffe. Oh, viens là! Donc vous les avez vus, ils sont là-bas les indigènes. Écoutez, les indigènes sont là-bas. Un lapin vient de me semer. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien à la limite, vous voyez qu'il y en ait juste un seul pour qu'on aille l'attaquer parce que là, depuis le quatrième épisode, enfin, c'est toujours le. Un champignon? Ouais, tu crois vraiment que je vais les manger? Est-ce qu'il y a des feuilles par terre? Parce que je sais pas combien on en a des feuilles, on en a. On en a deux. Bah, ils sont toujours là-bas au fond. Ouais, donc ce serait cool qu'on trouve d'autres feuilles. Presque. Oh purée, je les ai. Oh, je les ai allumées. Des feuilles, des feuilles, des feuilles. Comment on trouve des feuilles, les amis? Bon, écoutez, nous, on n'a pas que ça à faire, on va aller couper des arbres. Hein. Ils sont mignons, les indigènes, mais. S'ils veulent pas se battre, ils veulent pas se battre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, l'arbre a intérêt à tomber du bon côté, par contre. J'aimerais bien qu'on aille le voir derrière la montagne qui est juste derrière moi, là. Parce qu'entre nous, je pense qu'il y a une grotte d'indigènes. Oh, merci, l'arbre! Merci. Et une branche, elle a littéralement volé. Alors, je vais continuer à remplir notre petite cage à bois. Je vais pas y aller maintenant. Je vais pas y aller maintenant. D'abord, aller faire mon truc. Puis après, j'irai voir. Encore une tortue. Quand je pense que je les ai allumées pendant. Pendant un moment, les tortues, puis après j'ai compris en fait que ça servait à rien. Et que les tortues, c'était pas ça qui nous donnait de la bouffe. Je suis deg. Les pauvres, je les ai pourchassés toute leur vie. Pour que dalle au final. Alors. Hop, un arbre. Ouais, ça passe. On va laisser les rondins là, puisqu'ils vont retomber vers nous. Donc on va aller choper celui qui était un peu là. Non, encore un, hein, je suis désolé, je te laisse sans ami. Je retourne aller poser ça. Oui! On est dans un lapin, c'est pas grave. Écoute, il faut bien s'amuser dans ce monde. Hein. Parce que jusque-là, ouais, c'est un peu. On peut encore en ranger un peu. On peut plus. Enfin, je crois. Hein. Oh non, regardez, il est beau le truc. Wow, drop, drop, drop. Est-ce qu'il est tout seul ce con? Parce que s'il est tout seul, vous savez exactement ce que je vais faire. S'il est tout seul, je vais pas vous le cacher. Hop, cocktail Molotov. À la limite, cocktail Molotov, si on vise bien, on n'a même pas besoin de l'attaquer. Ouais, même pas besoin. Mais bon, il faut bien viser, hein. Ah ouais, s'il faut vraiment pas se fail. Mais il bouge, il marche. Écoutez, on va tenter, c'est maintenant ou jamais. Yes! Yes. C'est génial parce que maintenant il va crever et on pourra après aller le décapiter, faire tout ce qu'on veut avec son corps. Donc je suis trop content. Yes, il est mort. Parfait. Parfait, parfait. Ouh, ça, la tortue. Les mecs sont en train de faire un plan machiavélique et tout. Il y a une tortue qui est jeune, quoi. Je regarde quand même que c'est ramené pas trop de monde. Je lui fais me recrafter un cocktail. Parce que c'est ultra utile ces trucs. Voilà, on a plus d'habits, c'est génial. Faudrait aller refouiller des valises. Bon, bah écoutez. On va prendre son corps. On va dropper. On va prendre ça aussi.
On va se barrer. On va se barrer avec son corps pour aller le décapiter un peu plus loin. C'est un peu dégueulasse ce qu'on fait. C'est les mecs, on va prendre un corps d'indigène, on va aller le mettre sur le feu. On va le dropper à un endroit où on peut quand même voir s'il y a des gens qui arrivent ou pas quoi. Putain, il a mis une lampe. Bon bah écoutez, c'est parti. What? Pourquoi quand je le tape ça fait du bruit de bois? Mais non mais... Bon le couper un bras c'est dégueulasse. C'est littéralement dégueulasse. Moi j'aimerais te couper la tête en fait, parce que c'est surtout la tête qui m'intéresse. Ah... Après en fait le reste je m'en fous, hein, donc j'y pense. Si il avait un crâne. C'est vrai que maintenant c'est bien fait parce que tu peux découper les parties qui te font en fait. Et après on va aller le jeter dans la mer, hein, parce que j'ai pas envie que... Pas envie que les autres voient que j'ai tué un de leurs amis. Alors on va aller au niveau des effigies. Voilà. Donc des effigies avec une tête, avec trois têtes, avec 20 milliards de têtes ou qu'avec des bras. Ok. C'est tout? On va goûter, de toute façon on n'a pas le choix. Parce que je sais pas si ça allait... Je sais pas en fait si ça allait... Ça pour moi, je sais que pour moi ça les terrifie les effigies. Je sais que ça leur fait peur en fait. Mais j'en ai pas la moindre idée. Bon écoutez, de toute façon... On a mis la tête. C'est un début. Alors lui, on va aller le jeter dans la mer tout de suite. Je ne veux plus le voir à mes côtés. J'ai fait quoi? Il ne voit pas que j'ai droppé ma hache. J'ai peur. On a un bras aussi. C'est utile. Ça sert toujours. Bon, écoutez, on va se dépêcher de l'emmener lui parce que sinon les autres vont voir qu'on a tué quelqu'un. Alors, je sais pas si on pourra le pousser dans la mer ou faire un truc. Alors. Oh, tu fais chier. Ouais, bah tu sais quoi. Tu restes là. Pour la peine. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Moi je voulais tuer un indigène depuis le début. Bah, je l'ai tué. C'est bon, je suis content. Maintenant, des cailloux. J'ai l'impression que les cailloux ripop aussi. Il y avait que dalle de cailloux et puis là il y en a encore plein. C'est bon, on a trois caillasses. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je crois qu'ils ont marqué quelqu'un où il s'est passé un truc. Bah, ils ont même disparu. Voilà, c'est des ninjas. C'est tout. What? Ok, c'est des ombres. Parce que je vois des. J'ai l'impression de voir des ratons là, des feuilles bouger. Écoutez, je sais que cette île est très mauvaise pour nous, mais à ce point là, qu'on voit des trucs bouger, c'est peut-être pas. Mais tu sais, couper un arbre. J'ai pas envie de prendre l'autre âge, j'ai la flemme. Pas vous, mais j'ai entendu un mot bizarre. Donc on va prendre la vitesse supérieure pour couper cet arbre. Voilà. On se barre. Parce que cet endroit n'est pas du tout rassurant. Ce qui termine notre effigie. Tu sors pas le briquet? Ah non. Moi bah, j'allais dire allume la pas tout de suite, mais parce qu'une fois que ça l'aura cramé, on pourra plus rien faire. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? C'est une putain d'arme. C'est quoi ce... Oh t'es essoufflé mon petit. Reprends ta hache. Reprends ta hache, t'es essoufflé. Bon, est-ce qu'on... Ouais, limite on va se prendre une barre d'énergie hein, parce que là c'est pas... Oh ça redonne que dalle d'énergie. On en a que 5, on en a pas non plus des millions. Non je regardais si ça se mangeait les montres. je crois que si on boit de la boue ça donne de l'énergie. Ok d'accord j'ai rien dit. J'ai rien dit.
Je pense que si on boit de la bouse, ça va nous donner de l'énergie. Et là, tu bois des trucs et là, tu vois que toute ton énergie retombe. Ok, d'accord. Ça fait de la merde sur ce coup-là. Je vais aller mettre ce rondin dans notre bateau. Je tombe. C'est bon. Et voilà, les valises qui se sont échappées. C'est génial ce jeu. Ça se passe comment là? C'est quoi ce bordel? Fallait pas le mettre dans l'eau apparemment. Parce que du coup ça a dû faire bugger la texture. Oh je suis deg. Oh je suis deg. Parce qu'on a... On y a quand même pris 4 cordes dans ce truc là. Water collector. Oh mais eh. Mais eh. Mais faut juste qu'on remonte. Faut juste qu'on remonte parce que c'est un water collector quoi. Un truc utile pour ne plus avoir soif. Pour boire de la bonne eau. Attends, y'a personne. Je sais que t'es en train de crever d'énergie, mais qu'est-ce que je fasse? Je vais pas te cuisiner un poulet alors que t'as toute ta dalle, je sais pas, ça se voit pas. Ouais, faut vraiment aller dormir en fait, dans ce cas-là, faut dormir. Voilà, water collector. C'est génial. C'est génial, on apprend à crafter des trucs, les amis. Small garden. Eh hey, oh, hey, on va se faire une ville là. On est parti. Hein. On va mettre devant. Il faut deux arbres. Vous savez quoi? Ça que ça sert la réserve. Hop là. Génial! Et on peut planter des trucs dedans ou c'est pas ce qu'on a? Moi je marche dessus, je suis un truc. Bon, au niveau de l'énergie, c'est toujours mal. Mais bon, on s'en donnera. C'est quoi ça? Drying rack. Drying rack? Quelle utilité? Bon, ça c'est une cage à lapin, ok, mais je ne comprends pas trop le drying rack. Idéal for drying and preserving meat. Faire sécher de la viande? Écoutez, de toute façon, s'ils l'ont mis, il doit bien y avoir une utilité. Écoutez, je sais pas trop où le mettre. Je sais pas trop où le mettre, sachant qu'il nous faut 18 trucs. Et qu'on peut le sprinter parce qu'on a plus d'énergie. Donc on va regarder vite fait ce qu'il y a d'autre et puis on va aller dormir. Parce que c'est le seul moyen de gagner de l'énergie gratuitement, on va dire. Ça, c'est les traps. Ok. Custom building. Ah ouais, oui, il y a plein de trucs. Ouais, ça, il y a plein de trucs. Tree bridge. Oh mon dieu. Oh, c'est fou comment, si on veut, on peut se faire vraiment un truc bien badass dans les arbres. Snap collet. Oh, oui, oui, ça fera que j'en mettrai un. Ça, il m'en faudra un. Parce que j'ai une faute du snap. Snap, c'est, je crois que c'est de la résine. Ouais, enfin, un truc comme ça. Wood target. Defense spikes. Oh, mais tout ce qu'on peut faire. Je suis impressionné. Stick marqueur. Climbing rope. Gazebo. C'est quoi ça? Wooden path. School lamp. Un bed? Ouais, il est bizarre ton bed, hein. Tant pour moi. Bon, on va rentrer dans notre maison. Sur ce, on va raviver la flamme. Voilà. Et puis, bah, on va aller dodo. Juste un truc avant. Juste un tout petit truc. Ah là, cette fois, il pleut, vous voyez? Il pleut bien. J'aimerais juste rallumer cette effigie que j'ai éloignée un peu, j'aurais pas dû. Voilà, là, on peut aller dormir. Une effigie, c'est bien, mais une effigie qui crame, c'est mieux. Voilà, on rallume maintenant cette flamme-là. Et on peut dormir, c'est parti, dodo. Eh ben il fait nuit, on sauvegarde tout de suite. Premier réflexe, sauvegarder, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe?
Là-bas, il y a des gens qui viennent, on se doute bien. Ici, il faudra rallumer si on veut éclairer plus. Là, c'est notre truc de construire. Pourquoi je peux rien? Allume ta lampe! Ouais, ferme-moi cette porte là! Là-bas, il y a des gens. Toi, je te rallume. Ouais, parce que là, si je veux dormir, il voudra pas. En tout cas, c'est cool, on a récupéré toute notre énergie, hein, donc c'est vraiment pas mal de dormir. Enfin, c'est vraiment pas mal. Le truc, c'est qu'on tombe sur des indigènes, mais. Bah écoutez, moi je les vois plus. Bah écoutez, dormons, je sais pas. Bah voilà. Mais c'est calme! Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Hein, on a réussi à dormir, bon voilà, posé. Posément. Donc sur ce, on se dit à un prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, on a rien foutu comme d'habitude, c'est rien passé. Si, on a tué un indigène, voilà, c'est intéressant. Je vous dis à un prochain épisode. Allez, ciao ciao, bye bye. N'hésitez pas à like, hein, surtout, j'ai failli oublier de le dire, voyons. Donc n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à comment. Allez, ciao ciao.